Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. Il y a un sapin de Noël dans ma chambre. C'est le truc qu'il y a. Alors, je tiens à prévenir aussi certaines personnes qu'il y a eu des mises à jour au jeu, il y a toujours des mises à jour au jeu. Et là, par exemple, il y a eu un crossover qui est sorti. What the... Ok. Et c'est tout. C'est juste pour me dire qu'il y a ça. Qu'il y a des mises à jour du jeu, toujours, hein. Et que là, récemment, une mise à jour avec le jeu Payday 2 a été faite. En tout cas, est en cours de... Tu peux te casser de... Non. J'aimerais acheter quelque chose... Mais putain. Je me rappelle même pas toutes ces pièces-là. C'est quoi ce bordel? Je me rappelle pas toutes ces pièces. Celle-là encore, je me souviens, plus ou moins. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas... Je me rappelle de la cuisine, mais bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà, toujours plein de mises à jour. Et donc, bah, toujours plein de choses à faire dans ce jeu, hein, chers amis, tout simplement. En termes de mission, nous n'avons... Alors, on va quand même fouiller un peu la zone, voir s'il n'y a pas 2-3 quêtes à prendre. Apparemment, ici, il n'y en a pas. On va faire un gros zoom, comme ça, on va pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Je voudrais aussi aller prendre quelques munitions. Il me semble que j'en ai gaspillé un bon paquet dans le précédent épisode, donc ça on va le faire tout de suite avec notre ami Larry. Larry, bonjour. Larry. Folie. Oh, folie sublime. Tire avec plusieurs canons à la fois. Transpercement. Oh. 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 Bon, déjà, munitions. Folie sublime. C'est magique. Il est joli, hein. On va attendre un petit peu pour les armes. Je sais jamais vraiment quoi acheter. On va aller voir l'autre vendeur. Oh, je peux tirer encore plus de balles. Mais alors, attendez, ça veut dire que si je rajoute... Attendez. Discutons. Discutons bien, discutons... peu. Dégâts plus 42%. Mais si à la place... Ah, je peux pas le mettre. Si comment je refais le tri? Comment changer l'ordre de tri? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Changer l'ordre de tri. Voilà. D'accord. Donc plus je monte, techniquement... C'est pas comme ça que c'était censé être. Mais vous pourriez pas me les... Bon, c'est bizarre. C'est très très... Ah, ça y est, c'est bon, c'est réglé comme il faut. Mais là, je l'ai pas. D'accord, donc je peux pas la mettre apparemment. Bon, tant pis, hein, alors, hein, tant pis, hein, tant pis, tant pis, tant pis. Par contre, du coup, moi, je veux... Je veux pouvoir tirer avec quelque chose, mais avec plus... Akimbo! Je pourrais mettre l'Akimbo là-dessus. Oh oui, je mets l'Akimbo sur le calibre 50, ça va être rigolo. Ouais, mais ça me dit toujours pas ce que je dois... Ça me dit toujours pas ce que je dois faire en termes de... Où est-ce qu'il est? La mousson. Feu sublime. Mais je trouve pas... Bon, je vais aller voir dans mes améliorations. D'accord. Détonation, duplication, double extraordinaire. D'accord. Dextérité. Folie sublime, ça va sur quoi comme arme? Si je voudrais la l'insérer... Je peux pas l'insérer... J'ai pas d'arme pour l'insérer apparemment. Ok, bon bah voilà pourquoi j'y arrive pas. Parce que j'ai pas ce qu'il faut.
tout bêtement. Ah oui, il y a toujours ton arme là-haut, mais c'est toujours fermé. Ok. Bonjour. Qu'est-ce que tu vends? Pyromane, glace, pierre de sorcier toujours, et toujours la même chose. Toujours la même chose, c'est toi un petit peu, hein, je veux pas dire, mais alors... Je vais réessayer une dernière fois, chers amis. Après, on dira que ce sera plus jamais faisable et que ça a été... Ouais, ça a été corrigé, chers amis. C'est pas possible autrement. J'arrive plus à grimper. Ça a dû être corrigé. C'est pas grave. Mission. 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 Allons-y. Non, mission, j'ai dit. Mission, j'ai dit. Par principe. Mission accomplie, 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 accomplie. Pas accompli. D'accord. Donc, on va faire une mission principale. Pour récupérer, vif comme le manque, votre vitesse de déplacement. Je veux. Oui. Bah, j'ai tout fait de toute façon, je crois. Hein. Ok. On y va. Il me semble avoir tout... Bah alors. Ah oui, voulez-vous vraiment commencer cette mission? Oui, je veux. Ouah. Je vérifie que ça tourne. Ça tourne parfaitement, chers amis. Je suis peut-être pas dans le cadre, cela dit. Hop, je me mets dans le cadre pour jouer, ce serait mieux. Bon. De toute façon, j'ai l'impression de sortir souvent du cadre. Quand je m'avance, je sors du cadre. Faudra vraiment que je redéplace tout ça un petit peu, je pense. Ou que je dézoome un petit peu la cam. On verra, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour le moment. Cher Max, c'est un d'entre vous qui me donne des cadeaux sur Steam, c'est toujours cool. Là par exemple on m'a offert donc Wallpaper Engine, hein, qui est un créateur de Wallpaper. Hein. C'est pas le plus beau cadeau du monde, même si je remercie tout particulièrement la personne qui me l'a fait, parce qu'en fait je suis en train de regarder The Grand Tour depuis quelques jours. Et par conséquent, voir la voiture, la superbe Ford Mustang devant moi m'a donné une légère érection. Ce qui est toujours extrêmement agréable. Je pensais pas pouvoir aller là. Ok. Bonjour. Personne d'autre? Le problème est réglé? Vous êtes calmé? Oh putain. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tant pis. Tant pis, tant pis. Coffre. Ok, de l'argent. Du précieux argent. Ok, on y va, on grimpe. Bonjour. Pas grand monde dans le coin. Oh si, regardez, il y a une araignée là-bas, je crois. Là, il y a un gros. C'était plus lent que prévu. Moi aussi je peux le faire. Attends, j'ai un truc pour toi. Qu'est-ce que... T'en prends moi? Non mais où? Où est mon magnum? Putain, j'ai déséquipé mon magnum, je savais pas. Tiens, vas-y, bouffe ça. Merci de me montrer ta tête, c'est toujours agréable. Voilà, ça t'apprendra. Puis-je récupérer? Prendre, merci. Il était balèze malgré tout. Par contre, j'ai pas mon magnum. Ça ne va pas. Je suis. Quand je n'ai pas mon magnum, je suis légèrement malade. Alors, lance-roquette automatique. Ah, c'est un lance-roquette que c'est ça. Un lance-roquette tourelle. Bon, je vais enlever le lance-roquette tourelle, même si c'est rigolo. Et je vais mettre ça. Je suis obligé de mettre ça, chers amis. C'est une nécessité. Et donc, avec ça, je vais garder l'arme actuelle. Wouah! Wouah, c'est beau, ça! C'est très, très beau, ça! Ok, bah! Hop! Y'a un groupe d'ennemis droit devant. M'attendez pas à ce que ce soit des ennemis explosifs. Il va vraiment me falloir un... Bonjour, mon gros monsieur! Hey.
Il tire pas plus vite que ça, c'est dommage. Je pourrais continuer par là, mais... Mais non! Bonjour! Coffre. Coffre, coffre. Ah, parce que t'es en Akimbo que tu dois oublier d'utiliser tes mains, hein. Merci. Ok, merci. Merci, merci. Chak-chak doesn't sound like good news for you. Oh oui! C'est pas une bonne nouvelle! Pour... Putain. Sale bête! Sale bête! Bon, allons-y. Ça c'est quoi? De la santé, je dis pas non. Merci! Coffre, 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 coffre. Des roquettes! Mais non, je suis déjà plein de roquettes. J'ai tous mes plugs anal, merci. Tous mes dildos sont à côté de mon lit. Coffre, coffre. Oh! Ça c'était pas prévu. Un tata nom d'amé d'acteur de folie! Comme leur vie doit être ennuyeuse! Charles Bukowski. D'accord. Il a Bukowski, hein. Il a bu qu'une fois et Kukowski. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des grosses bébêtes dans le coin? Non? Quel dommage. Oh! Quel dommage. Ok. Oh! Je vois des tentacules. Enfin, je vois ce qui pourrait être semblable à des tentacules, chers amis. Et du coup, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Call of Toon n'est prévu que pour la fin d'année. Et je peux vous assurer que je suis le premier à être triste. Hop! Je suis le premier à être triste de cette nouvelle. Alors, il y a un gros monsieur. Monsieur le gros monsieur. Boum. Oh! T'as ouvert la bouche juste devant le canon explosif. C'est dommage, hein. Tiens, attends, essaye ça. Ça va marcher. D'accord. Non, normalement, ça marche sur les grands, maintenant. Non, mais t'as cru? T'as cru, t'as cru? Bon, allons-y. Je voudrais juste vérifier. Normalement, j'ai amélioré la compétence pour que ça fonctionne sur les grands. Esprit serein, mais alors, j'ai qui plus... Ah non, j'ai pas le niveau 4. Il faut le niveau 4. C'est ça, voilà. De grande taille, c'est niveau 4. C'est pas grave. Je vous aime pas particulièrement, vous, bizarrement. Hop. Boum! Ok. Ok. T'es quoi toi? J'étais pas dans l'eau normalement. J'étais pas pris dans l'eau. Je suis allé au magasin. Bonjour. D'accord. Bon. Ah, j'avais oublié ce coup là. Ça faisait longtemps. Boum. J'ai pénétré le monstre. Et je repénètre. Et je repénètre. Non, je ne pénètre pas. Si j'ai pénétré. Non, j'ai pas pénétré. Wow, bonjour. Ok. Désolé. Je peux comprendre que tu estimes qu'il te soit arrivé une saloperie et que ça se fasse pas, mais... Malheureusement, moi je l'ai fait. Non, je vais garder ça là. Sait-on jamais, hein, il se pourrait que je revienne. Oh oui! Oui, alors, faut que je prépare des armes de glace. On va même partir avec un coup surpuissant pour commencer. Ah merde! C'est un bombardier, intéressant. Oh la vache! Ah! Il m'est arrivé une couille! J'ai manqué de mourir dans le jeu! Qui est avec qui dans cette histoire? Et qui est avec moi si tout le monde est avec toi? Oh merde! Je prends des dégâts, je prends masse dégâts. Vous voyez pourquoi il fallait pas
que je prenne la santé. Wow! Wow! Non, casse-toi! Ils sont trop nombreux! Oh, j'ai failli me faire sodomiser par un truc! Je crois que je suis assez loin du truc. Pourquoi il a... J'ai plus de balles! Ah bah oui, en Akimbo, ça va beaucoup plus vite, j'imagine. Wow! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous multipliez? Vous êtes des lapins? Wow! Arrêtez de vous multiplier, bande de sacs! Enfin, bande de lapins. Boum! Viens, mon papa, serpenteur! Ah! Non! Hop! Mais putain, mais... Plus je les tue, plus ils reviennent! Je veux bien me mourir une bonne fois pour toutes. Merde. Tiens, regarde, bouffe ça. À toi, ma grosse. Où tu es? Boum. Oh, oh bah. Oh, il l'a senti passer, celui-là. Genre très très fort. Poison, d'accord, ok, vas-y, donne tout. Waouh. Oh, ça a dû lui faire tellement mal au mental, en fait, parce que je pense qu'il va revenir, hein, c'est un démon, j'en pleure, vous voyez, c'est... Non, c'est parce que j'ai mal aux yeux. Mais, Wouah! Pauvre bête! Elle a pas compris ce qui lui est arrivé, je crois. Wouah! Alors, par contre, je veux absolument récupérer toutes les munitions qu'il y a dans le coin. Parce que j'ai vraiment plus de balles, j'ai plus de 17 balles, là, d'accord, ok. Je ressors le shotgun, ça va être bien mieux. Ou alors, je ressors ça. Ça peut être pas mal. Il y a un coffre au milieu là. J'ouvre le coffre. Je récupère ce qu'il y a dedans. La santé, les machins, les trucs. Ok. Il y a des trucs dans l'eau. Des serpents. Enfin, dans l'eau. Ah merde. Ah. Ceci explique cela. Et apparemment, ce sont des illusions que je tapais. C'est des Naruto, en fait, ces trucs. Là, je l'ai pas vu. Ok, vous me faites chier, tous autant que vous êtes. Hop. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Hop, c'est bon. T'es où? Dégage. Raté. Dégage. Ah, blam. Ah, je l'ai raté. Merde. Ok, c'est bon. Non, il en reste encore. Hé, toc toc. Qui est là? Plus personne. Ok, bon. Bouquin. Ok. C'est bon, ça se calme. Ça se calme. Ouh, y'a un boss! Fais-moi monter très très haut! Il est. Oh! Oh! Ni? Le gardien! Résistance à l'électricité, résistance à l'électricité, vulnérabilité au feu. Pas le feu. Par contre, j'aimerais... Ah, ça doit être ma manette qui l'a lâché. Tu n'aimes pas le feu. Est-ce que tu aimes les coups surpuissants? Hors de portée. Salut l'ami. Tiens, bouffe. Putain, il se déplace vite. Est-ce qu'il est... What the fuck. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Meurs. Pas eux. Mais y'a que ça dans ton inventaire. Hop.
boum. Allez-y. Venez. Venez m'affronter. Hop. J'ai mon sabre laser, je m'en fous. Moi je bouffe du serpent au petit déjeuner, moi je suis Bear Grylls. Pouf. Reste plus personne. Toi. Tiens, tu n'es plus là. Tu n'existes plus dans mon univers. Et boum. Point de compétence. Tu crois pouvoir m'affronter de cette manière? Boum. Ah, je l'ai loupé. Joli coup. Joli. Tu résistes peut-être à l'électricité, mais tu resteras pas longtemps à moi. Tiens, tu sais quoi? Je vais sortir un truc qui va pas te faire plaisir. Habituellement, les ennemis, ils l'aiment pas, celle-là. Viens, mon papa! Ça, c'est un esprit, mais... Ah! Tu es où? Moi, je m'en fous. Moi, je tue les fantômes à coups de tronçonneuse. Ah ah, tu es balèze. Tu es balèze. Je suis... D'accord. Où es-tu? Ah! Je crois que je l'ai eu, mais je sais pas trop comment. Ok. Il est mort un peu, genre, bêtement. Une clé. La clé du gardien, nouvelle cinématique. Ça. Merde, je l'ai passé, quel con. Nouvel article, attendez. Wanglopédia. Détection de fuite. Détection de fuite. Détection de fuite. Voilà. So how did you get to know Smith? I started studying kung fu with him and he took an interest. He's the closest thing to real family I've got. Wait. Smith's a kung fu teacher? Uh-huh. He's only been a mechanic since the collision. I mean, he's always been a blacksmith, but before he only made swords. I guess there is more money in cars than martial arts these days. Everyone had to adjust after the collision. Mm-hmm. He doesn't charge any of us for lessons. And most of the students live there. Kids today, always looking toujours à moitié. Oh, c'est méchant. They pull their own weight. They're some of the most selfless people I've ever met. Saint Smith's home for wayward ninjas. You know what? Don't talk about things you don't understand. C'est quelque chose que je réclame souvent aux gens. Quand les gens ne comprennent pas une chose et qu'ils veulent en parler comme s'ils la connaissaient, je leur dis... c'est vrai que c'est quelque chose que je ne supporte pas moi-même, hein, c'est... Quand on ne connaît pas un sujet, en débattre, c'est insulter l'autre, la personne qui connaît le sujet, en fait. Parce que c'est une manière de chercher la merde, tout simplement, hein. Enfin bon, c'est un autre débat. Boum, bitch. Ok, on en est où dans l'épisode? Je me bats, on est à 25 minutes. On va continuer encore un peu, tant pis. On n'est pas loin des 25 minutes, hein. De toute façon, on n'est pas à 25 minutes tout rond. Ce qui veut dire que j'ai le droit de continuer. J'ai le droit légal de... Ah bah je vous... Ah oui, j'ai déjà buté des gens ici, de toute façon. Bah ça se trouve, j'ai fait le tour de la map, je vais me diriger vers la partie, justement, où j'ai du boulot encore à faire. Oh, je... Ok, ça va marcher. Bon, vous me faites chier. Où vous êtes? T'as pas l'air d'un con là, hein. Je croyais qu'il en restait un, bizarrement. Apparemment non. Ok. Oh, et voici la fameuse porte dont j'ai la clé, c'est ça? Ça t'es en train d'expliquer, jeu? Ok, eh ben écoutez, vu qu'il y a une porte, je pense qu'on va se laisser là pour l'épisode, en fait, tout compte fait. Comme ça permettra de partir sur le nouvel épisode pour un nouveau, avec un nouveau départ, vous savez, une nouvelle chose à faire. La manette qui avance toute seule, c'est casse-couille. Ok. Et ça présage que des bonnes choses, ce petit cri, chers amis. Hein? J'arrive, t'inquiète pas, je vais te buter. Ok, donc à tout de suite, chers amis, pour la suite. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!